C'est bon, il y a le son. Et rebonjour, bienvenue à Toulouse pour cette finale entre Toulouse et hier. Balle pour hier. Nicolas Joancer qui transmet à Sazvan. Sazvan, Jérôme Durand qui prend le shoot raté. Sort, ballon rendu hier. Jérôme Durand qui fait la remise en jeu sur Sazvan. Jérôme Durand, tête de raquette. Nicolas Joancer sur l'aile qui shoot, qui rate, récupéré par Bilal Ayash et qui remonte le ballon. Bilal Ayash qui temporise. On écarte sur une aile sur Nabil Guedoun. Nabil qui cherche à l'intérieur Nafiz. Balle perdue, récupérée par Nicolas Joancer. On sent un petit peu de tension, je pense, dans ce début de rencontre entre les deux équipes, parce que l'enjeu est très important. Il y a une faute là, je crois, qui est sifflée sur Nicolas, contre Nicolas Joancer par le numéro 15, qui est Bilal Ayash. Voilà, ça se fait, qui ne comprend pas trop. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de tension, parce que ce match, pour ceux qui ne sauraient pas, est une finale, puisque l'IWBF a décidé que le vainqueur de ce match remportait le tournoi, puisque l'équipe de Gennevilliers a été hors compétition, même s'ils ont gagné 3 matchs. Alors c'est un petit peu illogique, mais bon, ben c'est le commissaire présent de l'IWBF qui a décidé ça. Les deux entraîneurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux avant la rencontre, ils n'étaient pas très d'accord sur ça, mais bon, c'est eux les patrons de l'IWBF. Donc, et changer les règles en pleine compétition, généralement, c'est pas trop équitable. Non, alors que les Hiérois, je crois, sont devant avec les deux lancers francs. Tout à fait, de Nicolas Joancer. Et Toulouse qui repart en attaque, on renverse sur Nabil Guedoun. Nabil, Bilal en tête qui rate son shoot, récupéré. Et faute. Alors je voudrais qu'on parle peut-être un petit peu de l'arbitrage là, parce qu'on a 3 arbitres français qui se sont bien, qui ont très bien sifflé, même si je trouve bizarre là aussi qu'il y ait des arbitres français qui arbitrent les équipes françaises en Coupe d'Europe, mais l'arbitrage des autres nations, c'est quand même un peu léger. On s'en est rendu compte tout au long du tournoi. Tout à fait, mais là, il faut dire qu'on a un arbitre portugais et le deuxième arbitre qui est grec. Et un grec. Nicolas Joancer à 3 points, c'est raté, récupéré par Bilal. Bilal qui remonte la balle, qui a pris la même. On décale sur Nabil, sur une aile. Alors qu'il y a de l'embouteillage dans la raquette. Hein. Tout à fait, tout à fait. On renverse sur Bilal en tête de raquette, prend le shoot et 2 points. Alors là, pour l'instant, je pense que la défense est liée des deux côtés. Oui, elle est bien en place. Tout à fait, mais je pense que c'est plutôt les attaques qui sont un petit peu fébriles vu l'enjeu de cette rencontre. Sachant que le vainqueur ira en Espagne en Euroleague 2, en Eurocup 2, pardon, et le perdant ira en Turquie en Eurocup 3. Ah ouais, ça c'est bien. Et... dommage. Ah, dommage. Et... Oh là là, ici. Offense. Ouais, fausse offensive, c'est sévère ça aussi. On a vu beaucoup. Mais on a vu beaucoup de fautes sifflées comme ça ce week-end. Mais beaucoup sifflées justement par les arbitres étrangers. Alors, bon, j'ai rien contre le championnat de Grèce ni le championnat du Portugal, mais c'est quand même un championnat qui est beaucoup plus faible que le championnat français. Et j'ai l'impression qu'ils sont surpris de voir l'impact physique tout à fait des rencontres avec les équipes françaises. Nafiz à l'intérieur de la raquette qui se fait déposséder du ballon. Ouais, par Sazman. Et sorti et ballon donné ailleurs. Hein. Oui, parce que je pense qu'il l'a retouché. Ouais, possible, possible. Bah, disons que là, on voit que Toulouse essaie d'envoyer le ballon dessous parce que il domine de la taille justement avec Nafiz Arnaud. Et pour se rassurer avec des paniers à l'intérieur. Bien sûr. Ah, changement d'avis, voilà l'arbitre grec qui était à l'opposé. A vu une action différente. C'est ça que j'arrive pas à trouver très cohérent. Alors que c'est l'arbitre le plus proche qui donne la décision. Ouais. Émilie Ménard qui donne à Bilal, pardon, qui rate son shoot à mi-distance. Jérôme Durand à la main côté hier. Le roi Jérôme Durand qui a fait un excellent tournoi.
et qui est sûrement qu'on devrait sûrement retrouver dans le 5 majeur du tournoi, alors que Nicolas Joncet semble maladroit sur un match hyper important. Il a intérêt à retrouver l'adresse parce que ses partenaires en auront besoin. Mais il est en train de faire la même entame de match que contre Gennevilliers hier. Oui, c'est exact. Oui, mais c'est... après, il a retrouvé sa patte. Hein. Oui, heureusement pour les Guérois qui mènent 4 à 2. 4 à 2, tout à fait. Et ballon possession Toulouse avec Nabil, shoot mi-distance, raté et qui sort. Ah, les deux shooters patentés, si l'on peut dire, là, sont un petit peu maladroits en ce début de rencontre. Tout à fait, mais c'est... après Nabil, ça fait quelque temps qu'il a un peu de mal à retrouver son shoot. Allez, Jérôme Lorelli qui donne à Nicolas Joincer sur une aile. Il essaye de travailler, trouver une solution, oui, bien fait. Avec Jérôme Lorelli. Et Jérôme Lorelli qui marque deux points. Alors les deux là, je peux vous dire qu'ils s'entendent comme deux larrons en foire. Lorelli, Joincer, ils se trouvent les yeux fermés depuis des années et des années. Et ça s'est vu sur ce tournoi. Hein. Ah oui, tout à fait. Et Nabil qui déborde et qui marque. Le moindre trou, il le saisit. Nabil, oui. C'est son jeu. Et il a la vision du jeu et il a la rapidité également. Et l'intelligence de jeu. Tout à fait. Et heureusement qu'à Toulouse, on l'a. Ah oui, c'est sûr. Sassman, Joincer, mi-distance, raté. Alors que c'est des chutes ouvertes, des chutes ballon qui récupéré. Ne les manquent pas. On donne à Jérôme Durand qui rate également son shoot. Nabil qui récupère. Ouais, maladroit lui. Qui remonte le ballon. Nabil qui cherche une solution. Attention. Ah, là il était tenté par rentrer. Finalement il se reprend. On donne à Jérôme Courneil qui essaye d'accélérer. On donne à Nafiz. Non. Nafiz et deux points de Nafiz. Ouais. Alors que Jérôme Courneil est tout seul en train de se relever. Donc les deux équipes sont à égalité, il reste 5 minutes, il y a 5 minutes 21 de... Il reste 5 minutes, 21. Et 6 partout, ce qui dénote bien que l'enjeu de cette rencontre où on sent les deux équipes tendues. Voilà, et Nicolas Joincer à la main, qui tente le shoot, qui rate, récupéré par Zazman, qui remonte et qui rate également. Et de lancer pour hier, faute de Jérôme Courneil. Alors que Salzman rate des tirs comme ça, il n'est pas réputé pour son adresse. Hein, mais que Nicolas Joincer rate des tirs dans cette position-là, c'est pas normal. Je pense qu'il doit avoir les bras qui pèsent de la rencontre contre le Graz, l'équipe autrichienne tout à l'heure. Pourtant, il est sorti. Mais je pense que l'accumulation des efforts font que ça tire sur les bras. Ouais, la fatigue se fait sentir en cette fin de tournoi. Ouais. Premier lancer réussi par l'Israélien Peleg Salzman, qui était tout heureux d'avoir battu ses compatriotes hier. Et deuxième lancé également réussi. Et on repart. Bilal Nabil. Nabil qui remonte la balle. Nabil à la main. On renverse sur Bilal qui trouve Nafiz dans la raquette qui rate son shoot, récupéré Nicolas Joincer. C'est assez rare quand dans cette position il rate des paniers. C'est assez rare, mais comme on dit, il y a beaucoup d'enjeux. C'est ça. Nicolas Durand, Sazman et deux points de plus. Après Sazman, c'est un bon joueur, hein. Il fait un bon tournoi également. Il est maladroit et c'est malheureux, il en est conscient, il est maladroit. Alors est-ce que c'est de la pression qu'il se met? Parce qu'il paraît qu'aux entraînements, il est relativement maladroit, pas plus maladroit que ce qu'il est en match, mais c'est comme ça, il y a des joueurs comme ça. Le fait de vouloir bien faire, hein. Peut-être. Bien trouver un appuis dans la raquette. 3 secondes, oui, 3 secondes. Non, une faute à siffler. Ah oui, ben, l'arbitre grec signifiait 3 secondes et son collègue, faute. Je crois que c'est Salzman. Voilà, le numéro 14, oui, c'est Salzman qui la prend. Et c'est sa deuxième faute, donc il va peut-être falloir bouger du côté de bande de touche de hier. Parce que s'il fait de suite sa troisième, on est qu'à, dans le premier quart-temps, il reste 4 minutes 19 à jouer. Ça pourrait coûter cher aux Varois. Tout à fait. Allez, on est sur le second lancé. Ah oui, c'est raté, récupéré. On écarte sur Nabil qui va prendre le temps
de replacer tout le monde. Il part sur une aile, on renverse sur Bilel, en tête de raquette, shoot raté, récupéré Émilie Ménard, qui donne à Bilel, qui renverse sur Nabil. Il reste Nabil qui cherche secondes, hein. Une solution, qui prend le shoot. Oh, joli. Ouais. Et joli. Alors vraiment, il n'y avait pas d'autre solution pour Nabil Guedoun que de faire ce long bras roulé qui est rentré, qui est à 2 points, mais qui est rentré, et c'est très bien. Après, il le tente aussi à 3 points à l'entraînement et il arrive à les mettre. Ah ouais. Allez. Nicolas Joinser, mi-distance, et c'est dedans. Alors là, s'il a trouvé la trouille, ça va. De se régler, et là, s'il est réglé, ça va faire mal. Allez, Nabil, qui remonte la balle. Allez, qui joue avec Bilel, qui est rentré dans la peinture. Il a 3, il arrive quand même à marquer. Et shoot, il marque. Ah, c'est un excellent shooter lui aussi, Bilel. Ouais. Oui, et un super contrôle à une main également. Hein, ouais, bon, ouais, tout à fait. Allez, Nicolas Durand. Jérôme Durand. J'ai souvent fait le lapsus. Oh là, aïe, aïe, aïe. Il réclame une faute. Je sais pas, apparemment, ouais. Ouais. C'est relativement rare quand même de le voir faire en airball. Rater des paniers, oui. Des airballs, c'est relativement rare. Ouais, non, et 2 changements côté Hierrois. Oui, avec l'entrée de Jean-Alexandre Alpin et de Philippe Nutter, le champion du monde de 1990, qui a été champion du monde avec l'entraîneur de Toulouse, Jean-Louis Granzotto, en 1990. C'était hier. Oui, tout à fait. Ah, oui, bien trouvé. Raté, récupéré par Jean-Alexandre Alpin. Allez. Et on remonte le ballon. Cherche une solution. Ah oui, Jean-Alexandre à l'intérieur. Raté. Et récupère son ballon. On donne derrière à Jérôme Durand, pardon. On repasse par Jérôme Durand. Il faut prendre le tir là. Manqué, ballon récupéré, non, perdu par Émilie Ménard, récupéré par Jean-Alexandre, qui donne à Philippe Lutin, qui shoot, qui rate, récupéré Nafiz, qui donne cette balle à Nabil. Beaucoup, beaucoup de maladresse dans ce début de match, de part et d'autre. Ça confirme les 2 premières minutes où il y avait énormément de maladresse, même là dans les passes, et là Jérôme Durand, s'il l'attrape, il va aller au bout. Avec Nicolas c'est bien joué. Très beau jeu collectif là d'hier. Très bien joué, très bien joué. Et 2 points supplémentaires pour hier. Pour le capitaine de hier, Jérôme Durand. Allez. Nabil à la main. Alors que du côté de hier, sur le banc de touche, on avait demandé un temps mort, mais on vient de l'annuler. J'ai vu Jérôme Mignelli qui faisait signe et qu'il annulait le temps mort. D'accord. Ah, attention, bien rentré, Jérôme. Et 2 points pour Toulouse. Les 2 équipes se tiennent à 2 points à chaque fois. Une possession de retard pour Toulouse. Ah, je pense que ce match risque de se jouer à une queue de cerise. Hein. C'est fort possible. En championnat, ça s'est joué à très peu aussi. Hein. Oui, tout à fait. Allez, Jean-Alexandre, Nicolas, Philippe. Ah, sévère, cette faute aussi. Mais ça aussi, qu'est-ce que ça... C'est sévère, cette faute. En championnat, il ne la siffle pas, il considère qu'il touche le ballon. Bien sûr, mais pour moi, il n'y a pas faute. Hein. C'est à Nafiz Arnaud que ça a été sifflé, je crois, beaucoup. C'est à Nafiz. La faute est sifflée contre Nafiz et de lancer pour Philippe Nutin. On est en Coupe d'Europe, là. On n'est pas en championnat de National 3, sans que ça soit péjoratif, ce que je dis. Mais ça ne se siffle pas de la même façon, c'est plus physique, les joueurs sont plus athlétiques, ça va plus vite. Tout à fait, et pour jouer à National 3, même à National 3, parfois on ne les siffle pas. Ouais, en plus. Allez, on est reparti avec Jérôme sur une aile, qui donne à Nafiz à l'aile opposée, et c'est dedans. Et c'est dedans. 15-14. On se plaint de l'arbitrage, nous, souvent en France, mais finalement, on est gros arbitre. Voilà. Je crois que Sofiane se plaignait de l'arbitrage de Céline, mais finalement, Céline, que je trouve très bon arbitre. Ah, ben oui, c'est une excellente arbitre. Hein. Je dirais même que c'est une des meilleures au monde. Oui, même, tout à fait. Céline Villard.
Attends, j'ai pas très bien compris là. Ben, moi non plus, il signale comme si c'était sorti et un temps mort demandé. Oui, alors temps mort qui a été demandé, je crois, par Toulouse, alors qu'il reste 29 secondes à jouer. Tout à fait, non, et... par hier. Ah si, par Toulouse. Oui, oui, c'est Toulouse qui a demandé. Tout à fait. 29 secondes à jouer, 14 pour Toulouse, 15 pour hier. D'ailleurs, il n'y a rien de joué. Par Bilel qui est rentré, ah ouais, qui fait ouais, un pivot, trop facile. Qui récupère et 3 secondes. Ah non, il prend les 3 secondes. Oui, bien sûr, il a pas shooté. Il avait le ballon dans les mains, il ne pouvait pas shooter parce que hier a bien défendu sur cette histoire-là. Tout à fait, tout à fait. Il restera 16 secondes et demie à hier pour poser son attaque. Hop. Et Nico qui a failli rater, voilà, récupéré par Jérôme. Là, il s'est compliqué pour hier. Bilel qui part sur une aile, prend le shoot. C'est raté, récupéré par Nicolas. Et on attend la fin de ce premier quart-temps. Ouais, et je pense qu'on va rester un petit peu sur notre fin. 14 pour Toulouse, 15 pour hier. Mais on n'a pas vu un très très grand basket où les défenses ont pris la... Oui, exactement, d'un point. On entonne à Nicolas Joancer qui renverse sur Jérôme Durand sur l'autre aile. J'ai Alexandre Alpin au lancer franc qui shoot, qui rate, qui récupère, qui re-shoot et qui marque. Bien fait, bien fait. Comme on dit aux jeunes basketteurs, il faut toujours suivre son shoot. Et c'est ce qu'a fait Jean-Alexandre Alpin. Il a tiré, il a manqué, mais il a suivi son tir et il a pu récupérer le ballon et le mettre dedans. Tout à fait. Nabil qui renverse sur Bilel sur une aile. On repasse par Nabil en tête de raquette. Shoot raté. Nabil qui récupère, part sur une aile. Travaille avec Jérôme. Ouais, Jérôme Courbet. On va chercher Nafiz et 2 points supplémentaires. Je suis assez croisé entre les deux équipes. Ouais, 20 pour Toulouse, 19 pour hier. Allez, et on est reparti.
Alors qu'il va y avoir un nouveau changement du côté de hier. Je vois Salzmann qui se prépare. Et shoot raté côté hier. Récupéré Loréry. Durand. J'ai Alexandre qui rate. Récupéré Bilel. Nabil qui remonte le ballon. Nabil. Nafiz dans la peinture et deux points supplémentaires. Allez, là il y a un break de 3 points. Allez, pour le moment rien n'est fait. Nico Joancer, mi-distance, la droite, ça ne veut pas le faire. Là, il réclame la faute sur fauteuil. Mais parfois, il se concentre trop à réclamer la faute et il se déconcentre sur le jeu. Ouais, tout à fait. Nafiz Arnaud, deux points supplémentaires. Alors que le temps mort est demandé par les Hiérois. Tout à fait. Arrêter un petit peu l'hémorragie. Alors que Nicolas Joancer est en train de discuter avec l'arbitre grec pour lui expliquer que voilà. Allez, Jérôme Durand à la main. On renverse. Ah, il n'ose pas prendre le tir. Il sent que... Il est dans le doute. Oui, il est dans le doute. Tout à fait. Jérôme Durand qui prend le shoot, qui rate. Récupéré Bilel qui donne à Émilie Ménard. Émilie Ménard, Nabil Guédon. Jérôme Cournet qui va au shoot. Et deux points supplémentaires. Ouais. Je ne sais pas si ce temps mort a fait du bien à hier. Je ne sais pas, 26 en tous les cas pour Toulouse, 19 pour hier. Allez, et Jérôme et Nicolas, pardon, qui remontent la balle. Ah, il faut qu'il prenne ses responsabilités, Nicolas. Allez, le 3 points. Non. Et non. Il ne le met pas. Bilel qui récupère le rebond. On donne à Jérôme, qui s'est retenu de faire une longue passe. On va travailler sur un côté. On donne à Nabil, qui donne à Nafiz, à mon avis, là, en 3 secondes. Ouais. Mais c'est pas la première fois, là. Non, et c'est souvent. Tout à fait. Tout à l'heure, il a marqué un panier. Même pas, une faute. Alors, qui l'a sifflé la faute? Il a sifflé la faute. Il a montré 3. Au numéro 12. Hein. Le numéro 12, c'est Dany Leray. Alors qu'il avait montré le chiffre 3. Parfois, on n'arrive pas à comprendre. Bon. Ces arbitres sont vraiment bizarres. J'aime pas critiquer l'arbitrage, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et pour moi, le niveau de ces arbitres qui sont ici, je ne parle pas des arbitres français, des arbitres étrangers qui ont officié, quel que soit le résultat, pour moi, ils n'avaient pas le niveau pour arbitrer à ce niveau-là. Après, à préciser, au niveau des arbitres français, il y avait quand même 2 jeunes arbitres français qui passaient leur validation IWVB. Tout à fait, qui l'ont eu. Qui est Laurence Felden et Pierre, je ne me rappelle plus son nom là. Je suis en train de regarder le jeu. Voilà, et qui marque ses 2 points à mi-distance. Ouais, donc tous les deux ont eu leur examen, on peut les féliciter. Mais il faut dire que Céline Villard qui était là aussi ne devait pas venir. Elle est venue au pied levé pour remplacer un arbitre étranger qui était malade ou je ne sais pas, qui n'a pas pu venir au dernier moment.
shoot de Bilal Ayache et c'est dedans. Avec un peu de réussite. Ouais. Et 29 pour Toulouse, 21 pour hier, 5 minutes 10 à jouer. Ça rentre dans la raquette, ça ressort. On donne à Salzman. Salzman joue en serre au lancer franc et qui rentre pas à la cible. Je pense que s'il est parti là, ça devrait être bon pour hier, 29-23. Allez, Nabil qui remonte. Nabil qui essaye de pénétrer finalement. Marche arrière, on écarte pour Bilal sur une aile. On donne à Nafiz à la peinture. Et il prend en plus la position préférentielle. C'est pas normal. Salzman se fait passer devant comme un mime. Il faut toujours prendre ce qu'on appelle la position préférentielle, c'est-à-dire passer devant son adversaire. C'est parfois le défaut de Nafiz en défense également de notre côté. Nico, raté, récupéré par Pélec. C'était ça le Jérôme. Oui, Jérôme Durand perdu. Et c'est Leré. Leré qui marque. Ouais, c'est un panier un peu tiré par les cheveux, si l'on peut dire celui-là. Ouais. Beaucoup de ratés. Hein. Ah, ils ont eu un peu de réussite, oui, là, parce qu'il y a eu beaucoup de ratés, effectivement. Allez, on est reparti pour Toulouse. On travaille, Nabil. Au poste, on renverse sur Bilal sur son aile. On donne à Nafiz, petite marche arrière pour se mettre en position ratée. Ah, ça c'est récupérer Nabil. Raté. Et Nico Joinser qui récupère ce ballon. Et qui le remonte. Il faut qu'il monte là. Allez. Toulouse qui est bien revenu. Et deux points supplémentaires. Oui, il profite du match. Il est en train de taille par rapport à Émilie Lénard. Tout à fait. Et il est en train de retrouver la patte à Toulouse de savoir le contrer. 31-27, 3 minutes 16 à jouer dans cette première mi-temps. Allez, Nabil, on écarte toujours sur Bilal, sur son aile. On prend le coup de mi-distance, raté. Et récupérer Nafiz. C'est dangereux. Jérôme ça. Durand qui récupère ce ballon. C'est dangereux souvent ces ballons qu'on lance comme ça derrière. Oui. Non, voilà. Tout ce week-end ça a été comme ça. Siffler des passages en force là. Des fautes offensives. Moi je suis pas d'accord. Il la donne à qui la faute offensive? À Leré. Dany Leré, le numéro 12 de hier. Je me méfie parce que sur des matchs, j'ai annoncé, oui c'est bien ça, ouais. J'ai annoncé qu'ils donnaient la faute à tel joueur et finalement c'était l'autre juste à côté. Et il va y avoir de nouveau deux changements du côté de hier. Ouais, avec Guillaume Adias qui va rentrer, l'ancien Lillois et Meldois également, et Jean-Alexandre Alpin qui revient. Alors c'est dommage parce que pour les Hierrois, parce qu'ils étaient en train de regrignoter un petit peu leur retard. Allez, Nabil qui écarte sur Bilal, toujours sur son aile. Bien, ça qui a essayé de donner à Jérôme qui s'est fait intercepter par Jean-Alexandre. Jérôme Durand à la main. Yerwa qui essaye de naviguer pour rentrer. Jean-Alexandre est rentré dans la peinture. Ah, c'est pareil, il rate son shoot et il obtient deux lancers. La faute est sévère sur Émilie Menard. Sur Émilie, oui. Ah, je pense qu'elle est parce sévère. Parce qu'elle est devant, en fait. Bah, elle lève le bras, je pense pas qu'elle avance avec le fauteuil. Non, elle est arrêtée. Elle est arrêtée, donc c'est, franchement, c'est sévère. C'est très sévère. Tant mieux pour les Hierrois. Hein. Allez, premier lancer raté. Attention, parce que ça pourra compter à la fin, ces lancers francs. Tout à fait, On a vu des matchs qui se sont joués à peu de choses. Et si l'équipe perdante avait été plus à droite au lancer franc, elle aurait peut-être emporté, on l'a vu hier soir à Gennevilliers hier. Hein. Tout à fait, qui se perdent le match sur la fin. Hier le gagne à la fin. Ah oui, tout à fait, il leur passe un 10-0 à 2 minutes. Allez, Bilal qui travaille sur son aile avec Jérôme qui lui fait des blocs. On passe par Nabil, on repasse par Bilal sur son aile. Et Arnaud, et 3 secondes. Hein. 2 points de Bilal Yach. Ouais, à mi-distance. Et on est reparti. Nico Joinser, Jérôme Durand qui remonte la balle. On écarte sur Jean-Alexandre. Jérôme qui décale pour Nicolas. Mi-distance. Tout raté, récupérer Nafiz.
qui décale sur Jérôme. Jérôme Bilel. Bilel Nabil. Nabil qui tempère. On pose le jeu. On donne à Bilel qui est rentré. Shoot raté et faute ouais, là, de lancer. Alors c'est pas logique. C'est pas logique parce que là, Bilel Ayache est rentré alors que les défenseurs étaient arrêtés. Il est monté sur ses roues avant. La balle aurait dû être rendue ailleurs. Il y a un avantage physique. Tout à fait. Et donc il laisse jouer l'arbitre. Et à derrière, il y a un des Hiérois, j'ai pas vu lequel c'était, qui a fait une faute. Donc je crois que c'est numéro 9, Nicolas Joancer. Et ça donne deux lancers francs pour le Toulousain. Bilel qui rate son premier lancer. Il restera 1 minute 29 dans cette première mi-temps. Alors que c'est marrant parce que Nafis Arnaud ne va pas au rebond. Non, mais comme il est long à remonter, il préfère le faire redescendre directement en défense. D'accord. Ou ils ont confiance au shooter. Voilà. On va dire ça. Ben après, ça. On a deux bons shooters. Donc après, allez, Jérôme Durand qui part sur un côté, qui renverse Nicolas Joancer. Jérôme Durand au lancer franc qui rate le shoot. Nafis. Ballon sauvé par Toulouse, finalement c'est hier qui récupère et Nicolas Joancer qui aligne et deux points supplémentaires. 34-30 alors qu'on avait entamé la dernière minute de cette première mi-temps. Et Nabil à la mène du jeu qui renverse sur Bilel. Bilel qui va travailler avec Jérôme. 22 prises de shoot, il shoot raté. Nicolas Joancer qui récupère, qui donne à Jérôme Durand, chez Alexandre Alpin, deux points supplémentaires et la faute. N1, comme disent les Américains. Et faute de Jérôme Courneil. Ouais, s'il n'est pas en danger. Ah, non, c'est sa deuxième. Deuxième quand même. Pour celui qui fut désigné dans le 5 majeur du championnat du monde de 2010 à Birmingham, est désigné comme le meilleur meneur de jeu mondial à ce moment-là, Jérôme Courneil. Et un garçon charmant en plus. Et lancé réussi par Jean-Alexandre. Nafis dans la raquette et deux points supplémentaires. Ouais. Là il est rentré vraiment comme il faut, il n'y a même pas les 30 secondes. Oui, il y a là. Voilà. Ça c'est une erreur défensive. Hier qui s'en sort très bien. Oui, en catastrophe. Allez, on pose le jeu, on cherche Jérôme Durand, tête de raquette. Il va falloir prendre attention. Le tir là, on va donner. Ouais, 3 secondes, 1, le shoot et 2 points supplémentaires au buzzer. 36-35 pour Toulouse à la fin de cette mi-temps. Ouais, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de joué. Ni d'un côté, ni de l'autre. Costaud, celui qui dira qui va l'emporter. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Tout à fait, elles se tiennent. Ouais, tout à fait. Après, connaissant Toulouse en championnat, à chaque fois un trou d'air à la reprise du troisième quart-temps, espérons qu'ils vont tenir la dragée haute. Ouais, sachant que les Hiérois font souvent des meilleures deuxièmes mi-temps que les premières, on verra bien. Voilà, donc tout est possible. Alors que, voyons, tu peux nous expliquer là, Benoît, ce qu'on voit là, à l'écran? Alors, désolé, je n'ai pas les infos, mais Je sais pas qui aurait les infos, donc tout le monde est parti. Bien d'accord, sûr. Ben des pom-pom girls. Donc voilà, c'est des pom-pom girls. Donc on peut voir Sabine Salmon en fauteuil qui participe également. Ouais, ça c'est bien. Donc voilà, on intègre le handicap à cette pratique. Donc voilà, désolé, on n'est pas aussi souple que ces jeunes filles. Non, on l'a été. Voilà, une époque. C'était avant. Une époque, voilà. Je crois qu'on peut les applaudir. On peut les applaudir. Et la deuxième vague qui arrive. Ah oui, alors là, un peu plus grande. Voilà. Je vois qu'il y a marqué les étoiles.
Tout à fait. Donc ça doit être des étoiles puisqu'elles en ont sur les shorts également. Et sur les joues, si on regarde bien. Ouais, ouais, tout à fait. Figure de style. Ouais. Le gainage, très important. Tout à fait. En fait, c'est même pas du pump girl, c'est du cheerleader. C'est cheerleader, c'est vrai, tout à fait. Bon, on pourrait peut-être, pendant ce temps... débriefer un peu voilà, sur le match. Premier bilan de ce tournoi. Qu'est-ce qu'on a tiré, toi, Benoît, de ce... Sur ce tournoi, on voit quand même les équipes françaises qui sont devant. Hein. Ouais. Par rapport au niveau, on peut dire... Tel Aviv n'a pas démérité comme l'équipe autrichienne de Graz. Hein. Il y a de très bons joueurs. Hein. On a vu du côté de Graz leur meneur, le numéro 8, Elder. Ouais. Voilà, et pareil, le meneur de Tel Aviv également. Ouais, tout à fait. On retrouve, tout à l'heure on a critiqué un peu l'arbitrage des arbitres étrangers, mais là au niveau des équipes, c'est la même chose. Et les trois équipes françaises, que ce soit Toulouse, Gennevilliers ou hier, ont quand même dominé ces débats, puisque on les retrouve, c'est le hasard de la poule qui fait ça. Toulouse et hier, Toulouse n'a perdu qu'un match, hier pour l'instant était invaincu, Gennevilliers n'a perdu qu'un match également, c'était contre hier soir. Donc vraiment, ce sont les trois équipes qui dominent le plus cette compétition. Malheureusement pour Gennevilliers, ils viennent là faire des sparring partners, si l'on peut dire. Oui, mais peut-être que ça leur servira pour se qualifier pour les prochaines Coupes d'Europe lieu de passer par un tour préliminaire. Oui, tout à fait, mais là où on est quand même très... on reste quand même sur notre fin, c'est sur le fait que... La logique ne risque peut-être de ne pas être respectée parce que le commissaire de l'IWBF qui est présent ici a décidé que l'équipe qui allait gagner ce soir, là, entre hier et Toulouse, serait première de la poule. Alors que normalement, si Toulouse gagne, il y a une égalité à 3, il faut faire un goal average avec les trois équipes, puisque les points de Gennevilliers comptaient. Ou plutôt, les équipes qui perdaient contre Gennevilliers ne marquaient pas de points. Et donc c'est illogique. Une équipe comme hier va peut-être perdre ce soir d'un point, je dis n'importe quoi, d'un point contre Toulouse. Et au point average, ils seront bien devant et ils vont finir deuxième. Donc c'est pas logique, ça servait à rien à ce moment-là de faire venir Gennevilliers. Voilà. Je sais pas, messieurs, mesdames de l'IWBF, réfléchissez un peu quand vous faites quelque chose. Hein. D'ailleurs, j'ai discuté avec les deux entraîneurs avant ce rencontre, que ce soit Jean-Louis Granzotto ou Jérôme Mignoni du côté de hier, mais les deux étaient d'accord avec ce que je viens de dire. C'est complètement ridicule. Le public n'y comprend plus rien. Les joueurs n'y comprennent plus rien. Les entraîneurs n'y comprennent plus rien. Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans ces cas-là? C'est franchement du grand n'importe quoi. C'est ça. Alors que le plus beau match qu'on ait vu pour le moment du tournoi était quand même le match de clôture de hier soir. Hein. Oui, le match entre... Il y a eu un très bon niveau avec une belle intensité. Tout à fait, entre Gennevilliers hier, ça s'est joué, mais ça n'a rien du tout. Sur les deux dernières minutes du match. Puisque Gennevilliers menait 71 à 66, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un 10-0 en 2 minutes, et c'est hier qui s'est imposé 76-71. Et ils ont cafouillé leur basket, tout à fait. Gennevilliers a cafouillé son basket, hier ne s'est pas affolé. Ils ont joué leur basket, ils n'ont pas pris de tir précipité, ils ont bien fait tourner le ballon, et ils ont trouvé des bonnes positions, avec des joueurs différents. Donc on a vu vraiment un très beau match de basket. Du jeu simple. Tout à fait. Tout simplement, ils sont revenus sur leur base. Ouais, sur les bases du basket, posées. Et ils sont revenus tranquillement pour passer devant à la fin. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, le vainqueur de ce soir va partir en Espagne, l'autre partira en Turquie. En Turquie, tout à fait. S'il se déplace en Turquie, parce que j'ai eu des échos que voilà, financièrement, les deux clubs ne sont pas très chauds pour aller jouer en Turquie. L'Espagne est faisable financièrement. Financièrement, et puis il n'y a pas que ça, mais avec tous les événements
qui vient de se dérouler malheureusement en Turquie avec le séisme qu'ont connu ces pauvres gens. Et c'est pour ça que l'équipe turque n'a pas pu venir, absolument, puisqu'ils ont été victimes justement de ce séisme. Ouais, ouais, et apparemment, certains joueurs ont été touchés par le séisme. Donc c'est pour ça que je pense que les Turcs, ils ont autre chose à penser malheureusement pour eux actuellement qu'au basket fauteuil, même s'il faut que la vie continue, mais il y a des priorités quand même dans la vie. Et peut-être qu'ils auraient pu au dernier moment, même si c'est au dernier moment, parce qu'avec l'IWBF, on peut tout faire au dernier moment. Hein. On l'a vu au championnat du monde qui devait avoir lieu aux Émirats, qui a été annulé au dernier moment, parce qu'il y avait la Coupe du Monde de football, alors que ça fait 11 ans qu'on sait que la Coupe du Monde aura lieu à Dubaï en novembre 2022. Et eux s'en rendent compte un mois ou un mois et demi avant. Et il la déplace au mois de juin de cette année. Voilà, donc s'ils veulent faire, ils peuvent faire. Hein. Oui, ça fait un jeu tout dans la préparation des joueurs. Tout à fait, et là c'est pareil, ça aurait pu se dérouler en Italie, ça aurait pu se dérouler peut-être en France. Peut-être qu'il y a des clubs, peut-être que Toulouse aurait organisé ici ou hier, aurait organisé un tour final. On ne sait pas. Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment incompréhensibles. Et quand on voit que le basket fauteuil, déjà comment il est malheureusement mal médiatisé, c'est pas avec ça que ce sport va marquer des points avec des gens qui sont pour moi des incompétents, j'ai pas peur de le dire, c'est des incompétents, c'est des amateurs, mais des amateurs dans le sens péjoratif du terme, parce que j'ai trop de respect pour le monde amateur et pour les bénévoles, parce que sans eux, on ne serait pas là. Les joueurs qui sont sur le terrain actuellement ont débuté tous par le basket fauteuil amateur. Donc c'est pas ça, ce serait faire honte de dire, de les comparer, les gens de l'IWBF, à notre sport amateur. Ce sont des amateurs dans le sens péjoratif du terme. Et moi ça me met hors de moi. Je ne peux pas cautionner ça, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Mais ils sont bien dans leurs petits souliers, ils ne veulent rien changer. Ouais, mais c'est simplement. Après, pour revenir par rapport au tour final, on remarque quand même qu'il se passe souvent tous soit justement en Tunisie ou en Turquie. La Tunisie étant en Afrique. Tout à fait. En Turquie ou alors en Espagne. Hein. Chaque année, c'est pratiquement... Non, il y en a en Allemagne. Oui, mais c'est plus rare. C'est plus souvent la Turquie. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est un peu... Non, alors oui, la Turquie, oui, parce que la Turquie est un grand pays de basket. Et puis, il y a Izmir qui est sur un autre plateau. Hein. Oui, je sais bien. Ah oui, mais en Turquie, ils adorent. Ils sont très forts en basket fauteuil, d'ailleurs, hein, les Turcs. Mais après, il faut dire que c'est un championnat professionnel, hein. Ou moins l'Espagne, l'Allemagne. Comme l'Italie, c'est du basket professionnel, oui, bien sûr. Alors que nous on a du retard aussi, oui, bien sûr. Mais il y aurait tant de choses à dire et tant de choses à faire. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, on est sur la Coupe d'Europe, donc c'est pour ça qu'on parle surtout de l'IWBF, qui... Il y a des choses incompréhensibles. Quand on voit, là sur le terrain, on a un garçon qui est le numéro 7 de hier, Jean-Alexandre Alpin, qui est handicapé physique, il a un problème rotulien, donc au niveau des genoux. Il lui est interdit et il ne peut pas faire de sport valide. Il ne peut pas courir, il ne peut pas sauter, il ne peut pas en faire. Il est donc classé 4,5 points. Mais au niveau international, il n'est pas reconnu comme un temps invalide. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être sélectionné en équipe nationale alors qu'il est handicapé. Il ne peut pas jouer en équipe invalide. Mais il ne peut pas jouer non plus au niveau international. Et on a des filles comme Marianne Buzot qui est dans le même cas, qui ne peuvent pas jouer en valide et qui ne peuvent jouer qu'en basket fauteuil, mais qui au niveau international ne sont pas reconnus invalides. Je connais ce problème, Claude. Ouais. Je suis moi-même dans le même cas, voilà. Et moi je suis carrément 5 points, puisque le responsable de la classification m'a dit ton problème part du dos, moi tout ce qui vient du dos, je ne classe pas. Oui, alors donc c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas comment on classe ou on ne classe pas, je ne suis pas dans les classificateurs. Mais en fait, c'est pour dire, moi, c'est surtout la personne qui ne peut pas faire du sport en valide
qu'on lui interdise de faire, alors on lui interdit pas bien sûr de faire dans son championnat national ou en Coupe d'Europe, mais pour porter le maillot de l'équipe de France, et quand on est un compétiteur à ce niveau-là, l'objectif de chacun bien sûr c'est d'un jour porter le maillot de l'équipe de France, de l'équipe nationale pour les autres pays. Et là, le joueur il sait que jamais, tous les efforts qu'il fera, il ne sera jamais sélectionné à l'équipe de France, même si c'est un joueur extraordinaire, mais il n'est pas reconnu handicapé. C'est complètement, complètement normal. Voilà, mais je sais de quoi tu parles, donc je suis dans ce cas. Donc voilà, bon, après j'ai pas son niveau. Hein. Oui, non, mais enfin, c'est pour dire, mais il y a des choses très 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 anormales. Il y aurait beaucoup de et bien sûr, on ne va pas parler de l'équipe de France qui n'est pas qualifiée d'office pour les Jeux paralympiques. Ça c'est encore une autre histoire. Seul sport collectif qui n'est pas sélectionné d'office pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Il va falloir qu'ils aillent se le gagner sur le terrain. Et là aussi, quels seront les critères pour être retenus? C'est grand point d'interrogation. Parce que connaissant, alors là c'est l'IPC plutôt qui va là, gérer c'est ça, autre chose. C'est encore autre chose. Ils sont capables de nous pondre eux aussi, au dernier moment, un règlement de derrière les fagots. On ne sait pas. C'est le flou artistique. Pour le champion d'Afrique, c'est même s'il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, il n'est pas sûr d'être qualifié. Hein. Oui, également. Bien sûr. Alors que d'habitude, le vainqueur était qualifié d'office. Et parce qu'ils veulent 8 équipes. C'est ça. Alors qu'avant, il y en avait davantage. Il y avait 12 équipes, je crois. Et donc, c'est ça. Ils ont voulu restreindre le nombre. C'est complètement anormal. Je suis sûr que, je me trompe peut-être, mais au jeu de Los Angeles en 2028, aux Jeux paralympiques de Los Angeles, les États-Unis ils y seront et mais qualifiés d'office. Hein. Il est pas gagné sur le terrain. Et le comité olympique américain, je pense qu'ils vont tout faire et ils vont se battre sûrement plus que le comité paralympique français. Parce que je pense que le comité paralympique français a une grande part de faute là-dedans. Parce que là aussi, c'est... Après, il faut voir aussi le système de classification qui a été remodulé aussi pour les Jeux Olympiques, pour que le basket fauteuil reste aux Jeux Olympiques. Il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Bref. Ils ont reclassé des 4 points et demi, 5 points. Certains. Voilà. Certains, oui. Qui ont été sortis de leur sélection nationale. Oui, mais c'est ça. C'est le cas de. Oublier, hein. C'est le cas d'Alpin. Donc, la deuxième mi-temps va commencer. D'ici une quarantaine de secondes. On repart pratiquement à zéro avec un point d'avance pour Toulouse, qui peut être important peut-être à la fin, ce point. Tout à fait. Et donc je pense que ça va nous donner une deuxième mi-temps enlevée parce que là maintenant il n'y a plus rien à perdre, hein, il faut se donner. C'est ça. Est-ce que ça va encore se regarder un peu dans le troisième quart-temps et tout donner dans le quatrième? J'espère pas. Et que ça nous donnera une belle rencontre débridée avec. À moins qu'il y ait une équipe qui d'entrée dans le troisième quart-temps prenne l'avantage, prenne 7 ou 8 points d'avance et qui peut-être les conserver après. Ça peut être ça aussi, l'équipe qui va peut-être le mieux rentrer dans cette deuxième mi-temps peut-être l'emporter, ce qui veut rien dire. Hein, parce qu'on l'a vu hier soir, Gennevilliers était très bien rentré dans la partie, puis malheureusement pour eux, ils ont été battus par les Hiérois. Hein. On verra. De toute manière, ce seront eux qui vont décider. Et puis peut-être un peu aussi les deux messieurs en gris. Là aussi, du IWBF, il y a deux arbitres. Alors qu'en championnat de France, nous avons trois arbitres. On en a trois. Et on a de l'avance sur l'arbitrage. C'est ça. Donc ça aussi, c'est... Après, le seul reproche que je peux avoir sur l'arbitrage à trois en France, c'est qu'on est allé chercher des jeunes arbitres de National 3 pour arbitrer l'année suivante à National 1, où il y a parfois un petit décalage. Ouais, et voilà, nous avons repris par Jérôme Durand, shoot et qui marque l'entrée. Et on repart Toulouse, Nabil. Il y avait toujours le même 5 à Toulouse. Hein. Toujours le même 5, tout à fait. N'a rien changé. Émilie Ménard. Ah, faute, je pense. Oui, tout à fait. Philippe Nutin. Non, Guillaume Adias. Non, c'est, voilà. Il n'est pas rentré, Philippe Nutin. Non, il est sur le banc, il est là-bas sur le côté. Ouais. Et. De lancer pour Émilie. Alors les pronostics, elle va les mettre. Tu crois qu'il la connaît bien? Je dirais 1 sur 2. Ah, voyons. Bon, pour l'instant.
tu es dans les temps. Généralement, elle met un shoot à se régler et le suivant, elle le met normalement. Ah. Ah, dommage. Ouais, dommage et pour elle. Et la balle pour hier. Ou Hiérois. Nabil qui a sorti cette balle. Et les Hiérois sont repassés devant sur le panier de Jérôme Durand, 37 à 36. Et le chassé croisé continue. Ouais. Allez, on envoie loin devant vers Alexandra. Qui va sur une aile. On feinte le shoot mi-distance. On fait circuler le ballon jusqu'à Nicolas Joancer à l'aile opposée. Et c'est devant. Ouais. Allez, et Toulouse qui repart. Nabil Guédoune à la même. Nafiz dans la raquette. Shoot raté. 3 secondes. Non, 3 secondes. Ouais, 3 là, secondes. Il a pris les 3 secondes. Ouais. Mais là, je suis en train de me demander même si elles y étaient réellement cette fois-ci. Je Parce qu'en fait, il fait le geste qui, oui, c'est qui vrai, pompe. Il pompe, voilà. Il pompe beaucoup, effectivement. Et ça, c'est sa préparation, même un championnat, ah ouais, il fait la sais, même. Je sais. Jérôme Durand, Nicolas Joancer. Ouh, ça y est, il est réglé, il a la patte chaude. Ouais, alors là, 36 pour Toulouse, 41 pour hier. Il faut que les Toulousains réagissent de suite. Il n'y a, ouais, pas le feu au lac. Non, il y a pour le moment, non, mais il faut vite réagir, mettre les paniers qu'on a à mettre. Ah ouais, tout à fait. Allez, Nabil, l'aile opposée. Ah non, il est non finalement, il renverse sur Bilel. Il était derrière le cercle. Allez, Nafiz dans la raquette et 2 points supplémentaires. Allez, ça fait du bien. Allez. On envoie loin sur Jean-Alexandre Alpin. Il temporise. L'envoie sur Jérôme Durand. Ligne de lancer franc qui prend le shoot, qui rate, récupérer Nafiz. Nafiz qui décale sur Jérôme Courneil. Jérôme qui navigue, se met en tête de raquette, au poste. Il tourne. Il a failli se faire voler le ballon. Ouh. On l'a pas, c'était laser là. Dommage. Ouais, c'est une passe laser, elle était un peu forte peut-être. Ah, mais aux entraînements, quand les passes ne sont pas tenues, il gueule. Ouais, mais là quand même, il n'était pas très loin. Hein. Non, et puis il a capté à une main, surtout, ouais, oui, une balle aussi forte, hein, c'est compliqué. Et puis là, c'est pareil, là, aux jeunes basketteurs, on leur dit, mettez les deux mains devant pour recevoir le ballon. Tout à fait. Je pense qu'il avait shooté avant de recevoir le ballon. Allez, Jean-Emmanuel qui donne à Jérôme, Jérôme Nicolas, Nicolas mi-distance sur son aile, qui rate, récupérer Jérôme Courneil et Nabil, et Bilel, pardon, qui ah, repart les, avec les le ballon. Les sont vite revenus en défense. Oui, et Jérôme Courneil qui donne à Nafiz Arnaud, mi-distance, ouais, et 2 points supplémentaires. Ce qui permet il à... avait pris sa position, à 45 c'est sa position. Ouais, ça leur permet de revenir à 1 point, 40 pour Toulouse, 41 pour hier. C'est vraiment un chassé croisé. Hein. Ah, un coup c'est hier qui met pas ses paniers, ouais, un coup c'est Toulouse. Allez, ballon à Jean-Alexandre, se met en protection. Alors qu'ils sont à 4 contre 4. Tout à fait. Ah, il faut prendre le tir là, Jérôme. Jérôme, voilà, et il marque. Et 2 points de Jérôme Lorelli. Alors Jérôme Lorelli, comme Guillaume a dit, c'était 1 point, mais qui sont quand même relativement adroits, ouais, ils malgré sont, leur ils handicap. Sont mobiles, hein. Ils sont tout mobiles. À fait. Hein. Allez, Nabil qui donne à Nafiz dans la peinture. Elle a 3 secondes aussi. Et voilà. Ah non, marché. Marché. Il n'a pas marché, il n'a jamais marché. Marché. Il y a 3 secondes, mais il n'y a jamais marché. Il a les mains en l'air. Il ne peut pas marcher les roues. C'est et impossible. Il avance, il recule, mais comment il peut faire? Ou alors il met le pied par terre, à ce moment-là, il y a une technique. Il y a une faute technique. Allez. Il ne peut pas marcher. C'est cet arbitrage est vraiment... Là, je suis pas d'accord avec la décision. Ah, mais non, mais non, non. Allez, Jérôme Durand qui cherche Nico, Joancer, Jérôme Durand. Là, là, ouais. Passe mal maîtrisée. Oui, tout à fait, la passe n'était pas bonne. Allez, et ballon récupéré Toulouse. Et là, qu'est-ce que c'est? Une faute à Guillaume Adias, je crois. Ouais, Guillaume Adias, je pense, ouais, qu'elle y est la faute, là. Ouais, ouais, il a poussé. Oui, il lui tape sur... Non, je pense qu'il a poussé avec le fauteuil. Ah, Jérôme Courneil. Les Hiérois sont en train de rater un peu le coach et de faire un petit break là. Oui, c'est pour qu'on n'y était pas trop en début là. Oui. Allez, Nafiz Arnaud, mi-distance, raté, récupéré Nicolas Joancer. Jérôme Durand qui remontait le ballon.
Allez, il se met tête de raquette. En poste. Ah, il aurait dû donner ce côté-ci, il avait un message de Nicolas Jancer avec un écran. Et là, il était un peu pris là. Bien battu, Alpin. On revient sur Nico Jancer qui rate son second shoot. Dommage. C'est pas du tout raté ça. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il avait la patte chaude. Mais non. Et finalement, non. Mais je pense qu'il y a une part de fatigue. Aussi. Jérôme Courneil et deux points supplémentaires. Ouais. Et joli boulot d'Emilie Ménard avec ses écrans. Ouais. Elle l'a bien mené. Et toujours un point d'avance pour les Hirois. 43-42, 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Personne ne veut lâcher le morceau. Allez, Jean-Alexandre Alpin. Oui, pas eux. Et deux points supplémentaires. Attention, Jean-Alexandre Alpin est un garçon très adroit, mais des fois il doute un peu. Il doute. Mais ça se voit dans son jeu. Hein. Il y a des fois, il doit prendre des décisions qu'il ne prend pas et il préfère donner le ballon. Ouais. Puis, des fois, il y a des problèmes de concentration. Nabil, finalement, il traverse. Je pensais qu'il allait y aller tout seul. Finalement, il travaille sur son aile, toute mi-distance. Et deux points supplémentaires. Et Nabil qui s'agace un peu. Pourquoi ? Oh, c'est bizarre que Nabil Guédoune s'agace. Ah c'est bon pas son style. Pas du tout. C'est un garçon à fort caractère, mais un très gentil garçon. Je sais, ouais. J'ai eu l'occasion de le côtoyer. C'est un charmant garçon. À l'époque du Canet, je suppose. Oui, quand il était au Canet, ouais. Je l'ai côtoyé. Vraiment un charmant garçon. Jean-Alexandre qui rate son shoot, bien récupéré par Bilel. Qui donne à Nabil. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Il y a un 2 contre 1. Allez. Il y va tout seul. Shoot raté. Oh là là. Il a le tour du contre, je pense. Ouais, je pense. Ou même du contact, vu que ça sifflait très vite. Oui. Et là, c'est hier qui joue très bien le surnombre. Dommage. Mauvaise arrivée. Allez, on renverse. Nicolas, sur son aile, prend le shoot. Et c'est dedans. Oh. Et un peu de réussite. Allez. Ça a failli faire gamelle. Donc hier repasse devant, 47-44. On est 47-44 pour hier. Allez, Nabil. Attention, il va prendre le tir lui aussi, les Hirois. Ah, ouais. Il avait bien lu Nicolas Jancer. Bien fait. Et là, surnombre. Allez, Jérôme Durand, son arrivée, soigné, et ses deux points supplémentaires. Et 3 minutes 20 à jouer, 49 pour hier, 44 pour Toulouse. Il faut qu'ils réagissent vite, les Toulousains. Allez. Pour ne pas laisser les Hirois prendre confiance, hein, s'ils veulent l'emporter. Après, je pense que pour moi, ça serait bien de faire souffler un peu Nafiz. Bilel qui rate, récupéré. Dommage. Là, je pense que ça serait temps de faire des changements, là. Côté Toulouse, ce serait bien de faire des changements. Je pense aussi, mais je crois que Jean-Louis Granzotto t'a entendu. Non, il demande un temps mort. Et il va demander un temps mort, ouais. Peut-être Florence qui risque de rentrer, je sais pas. Ah, mais c'est pas ça qu'il faut faire rentrer. C'est non, les grands pour faire souffler. Faudrait faire rater Gaëtan ou Nicolas ou même David. Mais bien sûr. Surtout qu'ils ont fait un bon tournoi, les trois. Tout à fait. Ils ont fait un très bon tournoi et c'est bizarre qu'ils ne les fassent pas rentrer. Alors certes, Nafis a assez de réussite et domine, mais bon... Et là, il commence à fatiguer. Là. Ouais. Après, Nabil, qui est sur un shoot sur deux, qui rate ses shoots sous le panier, c'est rare de lui. Ouais. Ouais, mais c'est pareil, Nicolas Jancer est un peu maladroit aujourd'hui, malgré tout. Il a quelques séries, il rate des paniers qui habituellement il les met. Donc je pense quand même qu'il y a une fatigue physique et une fatigue nerveuse parce qu'ils ont eu quand même avant ça trois matchs de haut niveau, les deux équipes. Hein. Oui. Trois matchs de haut niveau parce que ce soit Toulouse ou hier, il a fallu qu'ils bataillent pour battre Tel Aviv. Oui. Ils ont battu également Graz. Graz qui est accroché aussi. Voilà, pendant une mi-temps, Graz a accroché les deux équipes. Donc il a fallu batailler. Genevilliers, n'en parlons pas. Genevilliers, c'est une bataille de tout bout en bout. Hein. Ah, tout à fait. Donc, je pense que là, maintenant, c'est la fraîcheur physique qui risque peut-être de l'emporter. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait faire souffler Arnaud. Allez, Jean-Alexandre qui pénètre dans la raquette, qui tente et qui rate le shoot. Qu'est-ce qu'il siffle passage en force. Passage en force.
faute offensive. Mais comment il peut siffler passage en force là-dessus? Moi, je comprends. Il est en position, tout le monde est arrêté. Mais tout le monde est arrêté. C'est soit il siffle avant le shoot, ben oui. Ou il siffle pas bien dessus. Bien sûr. C'est incompréhensible. Allez, Nabil qui a donné à Bilal qui remet à Nabil. Nabil toujours à la main. On écarte sur Bilal. On va chercher Nabil à l'aile opposée. Nabil qui cherche une solution, finalement il prend le shoot et deux points supplémentaires. Ah, de là, il ne va pas les manquer beaucoup lui. Ah non, les shoots mi-distance. Avec la planche. Hein. Allez, et on est reparti. Loureiri qui donne à Durand. Durand qui remonte à la balle. On donne à Nicolas Joncer qui prend sa chance, qui rate. Récupération Nicolas. Qui inverse du côté de Loureiri sur l'aile opposée. Prend son shoot mi-distance et deux points supplémentaires. Ça c'est un joueur de devoir, Jérôme Loureiri. C'est un gars, on l'entend pas, il fait un travail phénoménal, on peut lui faire confiance. Ça, c'est un joueur de devoir. Et il fait le travail pour les grands et dès qu'il doit prendre ses responsabilités, Il n'hésite pas et puis il a très peu de déchets. Allez, Lilel qui donne à Jérôme. C'était risqué, ça. Allez, le shoot de Jérôme, c'est raté, récupéré Nafiz. Je pense que c'est Nafiz Arnaud. Non, c'est Nafiz. Il a donné involontairement. Un coup de coude sur la tête à Nicolas Joncer, involontairement en arrière par derrière. Il s'est laissé emporter par la vitesse. C'est ça, mais il n'avait pas les mains sur les roues, donc il ne pouvait rien maîtriser. Ouais. Alors il râle, mais c'est involontaire, il est emporté par. Il y a bu entre les arbitres, à mon avis, ils ne sont pas trop d'accord sur la décision. Ils ne sont pas d'accord sur la décision. Un qui demandait de reprendre le jeu en bas et l'autre sur le côté. Non, c'était par rapport au panier. Ah. Il demandait si le panier il l'accordait ou pas. Mais non, il y avait. En plus, c'est celui-là qui le signale. Hein. Oui, bien sûr. C'est ça le problème. Hein. Oui, ils sont pas cohérents. Ils sont pas connectés même entre eux. Non, absolument. Allez, Jean-Alexandre qui pénètre. Oh, joli travail. Allez, premier shoot, il est pris n'importe comment. Tout à fait. Allez, et on est reparti. 53-46, toujours pour hier. Allez, Nabil qui pénètre. Oui. En voulant tourner, j'espère qu'il n'y a pas fait mal. S'il accorde le panier. Il accorde le panier, mais il considère la faute derrière. Oui, faute à Jérôme Durand, ça c'est sûr. Non, il refuse le panier. Et il a fait ça. Il a d'abord montré qu'il accordait le panier. Alors, il accorde d'abord, il refuse après. Ouais. Et maintenant, il ne donne même pas des lancers francs, il donne dessous. Ils sont incohérents des deux côtés. Je comprends plus rien. Ils sont incohérents des deux côtés. Oh, ce ballon perdu. Ouais, intercepté par Nicolas Joncer. Oh, il n'a pas levé la tête, Jérôme Durand. Il aurait dû lui donner. C'est pas grave. En plus, il était parti tout seul. Hein. Ouais. Il n'y avait personne. Hein. Ah. Oui, oui. Faute Jérôme Courneil. Il a changé de trajectoire. Tout à fait. Et Jérôme Courneil, c'est sa troisième. C'est la troisième. Allez, on est rentré dans la dernière minute. Oui, de ce troisième carton. Il restera encore 10 minutes pour faire la décision. Longue passe. On donne à Durand. Jérôme Durand se préparer pour le shoot. Non, finalement, qui donne à Nicolas Joincer. Qui prend une position. Mais on sait qu'il shoot dans n'importe quelle position. Hein. Oui, c'est vrai. Mais là, c'était pas évident. Allez, Nabil. Et il va prendre le match à son compte, Nabil Guedin. Je ne savais pas si ça serait la bonne solution. Ah ouais. Allez, Bilal, c'est tourner le chrono. Ah ouais. Autre mi-distance, deux points supplémentaires. Ah ben nous 55-48 pour hier. Allez, 17 secondes à jouer. Il faut qu'ils gardent la balle, les Lillois, là. Il ne faut pas qu'ils s'affolent. Hein. Ah, à mon avis, ils vont vouloir marquer. Allez, Jean-Alexandre qui rentre finalement, qui va sur le côté du Don. Alors Eric qui rate son shoot, ça part devant, Nabil, et trop tard. Ouais. Et fin du troisième carton. Alors Toulouse 48, hier 55, 7 points d'écart. Attention, rien n'est joué. Rien n'est joué. Mais sur des petits scores comme ça, 7 points, c'est déjà important.
Oui, mais après, on a vu hier le match Gennevilliers, encore hier. Hein, oui, oui, tout à fait. Où Gennevilliers était justement devant au troisième quart-temps. Ah oui, à 2 minutes de la fin. 7 points, il me semble aussi également. Ils avaient 5 points d'avance. Oui, voilà, ça s'est joué à pas grand. 71-66 à 2 minutes de la fin. Exact. Et ils prennent 10-0 et ils perdent 76-71. Après, donc, il n'y a rien de fait. Mais. Par expérience, quand il y a des petits scores comme ça à la fin du troisième quart-temps, 7 points d'avance, c'est très important. Il faut que, alors il faut que d'un côté, les Hiérois, ils gardent bien la tête froide, qu'ils continuent à jouer comme ils jouent. Et du côté de Toulouse, il faut qu'ils, qu'ils essaient de changer peut-être quelque chose. Je pense. Que ça passe par les joueurs. Je pense. Parce que là, à mon avis, vu comme les attitudes qu'il y a sur le banc de Toulouse, je pense qu'il va garder le même 5. Et côté Hiérois, on voit Jérôme Mugnani qui essaye un peu de dire on se calme, tranquille. Parce que là, depuis la fin du troisième quart-temps, pourquoi hier a fait le trou aussi, c'est parce que Arnaud a été maladroit. Oui. Ils se sont appuyés sur des tirs extérieurs. Donc c'est très bien que les tirs extérieurs, ça peut être très aléatoire. Il est bien sûr, c'est logique, plus facile de marquer dessous que de marquer de loin. Et si Nafiz est serré de près, s'il commence à tirer la langue, moi j'aurais mis quelqu'un d'autre, peut-être pour le faire souffler, le faire rentrer plus tard dans le Money Time ou avant le Money Time même. Moi je l'aurais sorti, franchement je l'aurais sorti, je l'aurais fait souffler. Parce que là ils n'ont pas fait de changement, non. Comparé à hier. Les 8 joueurs sont rentrés hier. Hier, donc, tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Tout le monde a participé. Dès la première mi-temps, hein, peut-être c'est même ça. Dès le premier quart-temps, c'est ça. Tout le monde était sur le terrain. Après, il y a les 3 fautes également. Attention à tenir compte de Jérôme Courneil. Tout à fait. Allez, Nabil à la main, qui va sur Nafiz. Shoot mi-distance, raté. Et ah oui, il la retouche. Oui, tout à fait. Il n'y a rien à dire. Et ballon pour hier. Hein. Allez, Jérôme Durand qui donne à Nicolas Joancer, qui redonne à Jérôme Durand, qui décale sur Jean-Alexandre Alpin. On repasse tête de raquette. Joli. Ah, dommage, la passe pas assurée. Aïe. La faute à Arnaud. À qui va donner la faute, on ne sait même plus à qui il donne faute ou pas. Ah ouais, Arnaud. Mais c'est sévère ça aussi, c'est sévère parce que il tombe, mais il était déjà tombé, Loréry, à la limite il fallait siffler que Loréry était tombé, en fait, et on rend la balle à Toulouse. En fait, il va sur Loréry qui est au sol, et lui en fait, comme il ne le voit pas qu'il se tourne, il tombe à son bien tour. Bien sûr, bien sûr. C'est sévère. Allez. Jérôme Durand, Nico Joancer, mi-distance, et c'est dedans. En reculant. Il aime bien ses shoots en reculant. Hein. Et il aime bien le faire, c'est vrai. Enfin, il aime bien le faire, mais surtout ça rentre, quoi. C'est ça qui est important. Oui, oui. Le faire est une chose, parce que le mettre est un autre. C'est très difficile à faire. Hein. Ah oui, tout à fait. Allez, Bilal sur son aile qui donne à Nabil, qui redonne à Bilal. Toute mi-distance, c'est raté. Non, il y a une faute de Jérôme Loréry. Oui, il le dit de suite. Hein. Ouais. Il reste 9 minutes et 8 secondes à jouer, 48 pour Toulouse, 57 pour hier. Les Toulousains doivent après, vite réagir. Après, Jérôme Loréry peut se permettre, il n'avait aucune faute. Ah, et 2 changements qui se préparent côté Toulouse. Premier lancé pour Bilal, ouais, réussi. Lui, normalement, ça devrait faire 100%. Normalement, oui. C'est très rare quand il loupe les 2. Deuxième, et c'est dedans. Et changement côté Toulouse. Ouais. Sorti donc. Ah non, c'est Arnaud qui sort. Non, Émilie Ménard, Jérôme Courneil, rentrée de Florence Domège-Guédoun et de Nicolas Galli qui est sorti de la forêt ariégeoise comme un sanglier. Va-t-il aller aussi droit qu'un sanglier? Allez, ballon hier, shoot mi-distance, raté, non, récupéré pas, Nabil. Ça, c'est pas mon non, tir. C'est pas un bon shoot, il a précipité. Ah oui, il a précipité. Pas à lui à shooter là. Non, il doit faire une passe ou deux bien de sûr, plus. Bien sûr. Bien rentré, bien trouvé Bilal à l'intérieur et qui marque. Ouais. Très adroit également Bilal à l'intérieur. Ah bah oui, il est très adroit Bilal Ayache. Tu sais que allez. Bilal Ayache a joué une saison ou deux à Pau avec un certain Nicolas Joancer. À ses débuts alors. À ses débuts, ouais. Et c'est lui qui a appris à Nicolas Joancer à shooter sur une roue. D'accord.
Joli. Panier de Nicolas Joancer. C'est quand il est arrivé en France, Boulay Lagache. Oui, c'était à ses débuts, oui. Ouais, à la fin des années 2000. Hein. Allez, Nabil qui donne à Nicolas Galli. Ouais. Et deux points de Nicolas Galli. C'est bien vu. Allez. Il n'y a plus que 5 points d'écart. 59 pour hier, 54 pour Toulouse. C'est ça. Et hier, qui retient Nicolas pour essayer de créer un surnombre finalement. Ça n'a pas fonctionné. Nicolas Joancer, mi-distance et deux points supplémentaires. Je pense qu'il va prendre le match à son compte lui aussi. Je pense aussi. Remise en jeu faite par Nabil Guédoun. Et là, ses partenaires vont travailler pour lui. Parce que les paniers, on ne les marque pas comme ça non plus. Non, il y a le travail des partenaires. Tout à fait. Allez, Nabil qui pénètre, oui, oui. Qui rentre et qui marque. Ouais, trop facilement pour par rapport à la défense. Ouais, la défense s'est écartée. Allez, remise en jeu de Jérôme Durand. Qui donne à Guillaume Adias. Adias qui cherche une solution de passe. Offense. Il les siffle vraiment facilement. Ouais, très facilement, ouais. Ouais. Mais je ne suis pas surpris là. Elle est peut-être discutable, mais vu. Après, il ne maîtrise pas son fauteuil, il a les deux mains sur le ballon. Oui, allez. Non, mais c'est dans la logique de l'arbitrage. Oui, mais dans notre championnat, c'est pas sifflé. Ah non, c'est pas sifflé. Comme ça, c'est pas sifflé. Allez, et Nabil. Eh oui, attention, ils ont la possibilité de revenir à 3 points. Hein. Allez. Et shoot raté. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Si, je crois qu'il y a faute de Florence. C'est qui pas Non, c'est, je Florence, pense que c'est, oui. Flora, oui, c'est Florence. Oui, qui touche les bras de Nicolas Joancer par derrière. Ouais. Elle a essayé d'être plus grande que Nicolas. Ouais, c'est bien tenté. Allez, et c'est reparti. Jérôme Durand, elle amène. Loréry au poste, Nicolas, et deux points supplémentaires pour Nicolas Joancer. Et on est reparti. Il reste 6 minutes 40 à jouer, 56 pour Toulouse, 63 pour hier. Toulouse est toujours là, ils sont toujours là, il n'y a rien de joué encore. Hein. Et Nabil qui rentre, qui donne à Nafiz. Il a été dehors. Oh là là. Il était dehors. Et puis, qu'est-ce qu'on est parti lui donner ce ballon? Il est complètement derrière le panneau. Ouais, il n'aurait pas pu marquer. Là j'aurais pris le shoot à la place de Nabil. Ouais, ouais. C'est étonnant de Nabil Guédoun parce qu'il a bien vu qu'il était impossible à shooter là. Allez, Nabil qui monte sur Jérôme. Nicolas qui redonne à Jérôme, qui transmet à Jean-Emmanuel. On repasse. Jérôme Durand, ouais. Jérôme Durand. Et oui, ils sont en train de resserrer dessous sur Nicolas Joancer. C'est et ça. Donc ça libère Jérôme Durand, qui est un bon shooter et qui peut inscrire les points. Ils ont repris un peu d'air les Hirois, 65-56. Attention, le 3 points d'Ayash. 3 points et raté. Ouais. Ça touche le cercle. C'est un peu rapide peut-être. Il avait la position, mais je pense que c'est quand même un peu rapide. Il aurait dû travailler un peu plus. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont le temps encore, il reste 6 minutes. Hein. Ils ont le temps de remonter les 12. Oui. Il n'y a rien de joué encore. Hein. Allez, c'est Alexandre qui passe. Allez, je pense qu'il y a faute de Bilal. Mais Hirois ont la possibilité de passer les 10 points sur les deux lancers francs de Jean-Alexandre Alpin. Encore faut-il qu'il mette les deux parce que lui serait pareil un peu, 50%. Et il a tendance à se régler au premier. Ils sont très tendus ces tirs. Mmh. Ouais, il élève très peu. Ouais. Ah, ils sont très très tendus. Elle fait pas de parabole, sa balle. Non, pas du tout. Elle tombe pas en feuille morte. Celle-là était un peu plus levée. Ouais, 50%. Je le connais, le garçon. Il y a 10 points d'écart, donc 66 pour hier. 56 pour Toulouse et 5 minutes 50 à jouer. Allez, rien n'est fini. Non, allez, rien n'est fini encore. Nafiz. Chute. Qu'est-ce que... C'est faute, hein. Oui, contre Nicolas Joancer. Ah oui, d'accord, il doit y avoir donc, ça, il lève le bras. Deux lancers pour Nafiz. Ouais, c'est ça, donc il y aura deux points de plus. Alors qu'il est juste en extension et je vois pas... Si, il aurait peut-être mis le panier, s'il n'avait pas fait faute. Il l'a gêné. Ah, peut-être qu'il lui touche un peu le fauteuil. Oui, il a dû lui toucher le fauteuil. Allez, premier shoot. C'est la troisième faute de Nicolas Joancer. Bon, il n'est pas encore en danger. Allez,
Et le deuxième est rentré également. Ah, ça, 66-58 pour hier. Allez, Jérôme Durand. On donne à Jérôme Lauré les riz. On remonte tranquillement. On part sur une aile. On va travailler avec Jean-Alexandre. Il rentre. Il prend le tir. Voilà. Ah, il rate. C'est dommage. C'est un bon tir. Mais même, il a hésité. Il a tout l'espace. Il doit rentrer. Mais non, il a eu peur du contre. C'est dommage. Il a eu peur du contre. Et surtout qu'il n'avait personne sur lui. Allez, Nabil. Nabil qui décale. Nafiz sur son aile. Le shoot. Et c'est ressorti. Il n'a pas de chance. Ça a fait gamelle. Il faut pas qu'ils s'affolent, là, les Lirois. À moins d'y aller tout seul. Non, mais finalement, ils y vont tranquillement. Bien rentré et faute de Nicolas Galli. Ouais ouais. Non, c'est ah oui Nicolas Galli. Si, Nicolas Galli qui commet la faute. Oui, c'est lui. Voilà, donc première faute du match. Quand il y avait Nabil Guedou d'un côté, je crois que c'était. Non, c'est Nicolas Galli. Voilà, s'ils veulent gagner les Hirois, il faut faire pareil que Nafiz Arnaud, c'est-à-dire il faut faire 2 sur 2 là, c'est franc. Bien. Il lève un peu plus son ballon. C'est quand même très tendu. Oui, non, après c'est tendu, mais il essaye de le lever un peu plus. Ouais, et voilà. Il est dedans. 5 minutes à jouer, 68 pour hier, 58 pour Toulouse. Rien n'est fait malgré 10 points d'écart. Et au basket, tout va très vite. Ça va très vite. Ça va très très vite. Dire, qu'est-ce qu'il a vu de l'arbitre là-bas. Même en 2 minutes, 10 points se rattrapent facilement. Hein. Ouais, je crois que c'est faute à Nicolas Jouancer. Ce serait sa quatrième faute. Ah non, c'est pas lui. C'est le numéro 7, Alpin. Non, c'est Alpin qui prend la faute. Ouais. Il vaut mieux pour les Hirois parce que ça aurait fait sa quatrième faute au shooter de hier. Ouais. Après, ça pourrait arranger les Toulousains. Hein. Ah oui, tout à fait. Non, mais pour les Hirois, moi je parle. Après, je ne lui souhaite pas. Hein. Je le souhaite à personne. Hein. Oui, non. On est neutre quelque part, que le meilleur gagne. Ah, et je pense que Florence s'est fait mal sur la chute. Sangle qui est cassée. Ouais. Sa sangle qui est cassée. Donc, retour d'Émilie Ménard et de Jérôme Tourneil. Et ressorti de Nicolas Galli. Ouais, ça peut être un tournant parce que là, il fait sortir quand même un grand pour faire entrer deux petits. C'est ça. Donc ça peut être un tournant, mais attention, Jérôme Tourneil, il a le talent qu'il a. Il est capable à lui seul de renverser le match. Il est très fort. Ouais, ouais. Il a une vision du jeu. Allez, remise en jeu. On redonne à Bilel, mi-distance. Et 2 points supplémentaires pour Toulouse. 68-60 pour hier. 4 minutes 42 encore à jouer. Allez, Jérôme Durand. Qui part sur une aile pour travailler. On repasse par le milieu, on fait tourner la balle, on prend le shoot, ouais. Chanceux, shoot chanceux également, 2 points supplémentaires pour hier, 70-60. Si hier marque à chaque attaque, ça va être difficile pour Toulouse. Hein. Tout à fait. Parce qu'avec 10 points d'avance, si marque à chaque attaque, va falloir que Toulouse réalise des stops. Ah ouais, tout à fait. Allez, on combine bien. Ah là là. Je pense que c'est Arnaud. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Nafiz Arnaud. Et c'est sa quatrième. Hein. Ouais. Quatrième faute de Nafiz. Et David Herpers qui se prépare. Le capitaine de l'équipe. N'aurait-il pas fallu le faire rentrer avant? Si. Moi j'ai pas de souci. On a parlé tout à l'heure. Les changements, on aurait dû en faire bien avant du côté de Toulouse. Ouais. Allez. On est reparti avec Adias qui donne. Oh là, Alpin qui rate son shoot. On n'a pas le droit de manquer ça. On n'a pas le droit de manquer ça quand on est dessous tout seul. Et bien battu de la part d'Emile Ménard. Et changement, Nafiz Arnaud qui sort. Rentrée de David Herpers. Toujours 10 points d'avance pour les Hirois. 3 minutes 50 à jouer. 4 fautes d'équipe du côté de hier. 5 fautes du côté de Toulouse. Donc tout sera shooté maintenant. Tout à fait, toute faute côté Toulouse amènera les Hirois au lancer. On décale sur Bilel, mi-distance, rate le shoot, récupéré Nicolas. Il faut un serre, Jérôme Durand, voilà, qui pose. Voilà. Il est en train de poser tranquillement. Voilà.
shoot au niveau du lancer franc et c'est dedans. Et oui, parce qu'il a l'avantage de taille là. C'est Arnaud ça, n'est il plus a... là. Arnaud n'est plus là, donc il est moins gêné. C'est ça. Allez, Nabil. Nabil qui essaye de à 3 points, oui, à 3 points, tout à fait. Ah, dommage, ça ressort. Ouais, ça fait gamelle là aussi. Allez, bien joué. Ah, il faut qu'il garde la balle. Il faut qu'il garde la balle. Allez, Jérôme Durand à la main. Nicolas Joinser retenu par Nabil. Jean-Alexandre Alpin qui rate ce shoot, récupéré par Jérôme Courneil et sorti par Jérôme Durand. Il reste 2 minutes 46 à jouer, Toulouse 60, hier 72. Il faut à tout prix que les Toulousains marquent maintenant s'ils veulent l'emporter. Ça devient décisif là. Ouais. Nous sommes rentrés dans le money time. Allez, qui va le gérer le mieux ? Sur Nabil, Nabil qui donne à Jérôme. Jérôme David qui prend le shoot. Ouais, la balle sera rendue ailleurs. Oui, oui, juste parce que le joueur tout vous est tombé. On protège le joueur, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait. Allez, et on est reparti. Jérôme Durand qui fait la remise en jeu. On se met à Nicolas Joinser. Jean-Emmanuel Alpin qui donne à Jérôme Durand. Jérôme Durand qui travaille, qui passe par Nicolas Joinser, qui essaye de s'infiltrer. Finalement, il renverse sur Adias. Shoot et qui marque. Adias est un joueur aussi très adroit là, un point très adroit, l'ancien Meldois et ancien Lillois qui se faisait chambrer tout à l'heure par Mario Farazman qui est présent ici à Toulouse. Nabil qui est passé, qui est rentré, qui tente le shoot. Faute à Nicolas Joinser. Et faute. Et c'est sa quatrième. Hein. Sa quatrième faute, oui, il reste 2 minutes à jouer. Les deux joueurs se après, ils saluent. Se connaissent très bien. Ouais. Donc, ouais. Ils se respectent aussi. Il y a un très grand respect, oui, entre les joueurs. C'est deux compétiteurs, tous les deux. Deux joueurs qui ont le sang chaud. Oui, mais après, ils se respectent énormément sur mais sur c'est correct. Terrain. Mais c'est correct. C'est toujours, c'est physique, mais c'est correct. Ouais. Et les deux lancers qui sont réussis par Nabil Guédoui. Oui. Allez, remise en jeu. 2 minutes à jouer. 62 pour Toulouse, 74 pour Yann. On écarte. On a essayé d'accélérer, il me semble. Jean-Emmanuel qui est dans la raquette. Jean-Alexandre. Jean-Alexandre, pardon. Ouais. Je te remercie. Ouais. Et 2 points supplémentaires. Là, je sens que j'ai bien peur que la niche soit tombée sur le chien du côté de Toulouse. Hein. Ouais. Oh, moi, j'ai plus... Moi, je dis plus la cabane est tombée sur le chien, comme dirait... Oui, la cabane est tombée sur le chien, oui, voilà. Et le chien est parti en courant. Et le chien, généralement, il meurt. Hein. Et le shoot raté par Toulouse. Voilà, je crois que les carottes sont cuites. Hein. Et il faut jouer jusqu'à la fin. Oui. Allez, et allez. Pour assurer, il faut que hier marque. Si il hier marque le... Il a pas vu de l'autre côté, Nicolas dommage, Joinser, c'était... Qui est en mismatch. Tout à fait. En plus, il est sur un petit point. Ouais. Tout raté. C'est mal joué ça de la part des Hierrois. C'est surtout qu'on a un grand sur un petit, oui, on va pas sûr. Chercher le grand. Et quand on sait que le grand est à droit, il faut mieux lui donner le ballon. Tout à fait. Jérôme qui a essayé de pénétrer et faute à siffler. Jérôme Durand, je crois. Jérôme Durand, oui. Qui a effleuré le fauteuil de Jérôme Courneil. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Non. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il n'y a rien du tout. Alors que Jérôme Mugnelli demande un temps mort, il reste 1 minute 03 à jouer. Je pense que... C'est pour poser ces joueurs qui reprennent un peu les bases, qui recalment. Voilà. Voilà, qui n'a pas le feu à la maison. C'est ça. C'est ça pour leur expliquer que maintenant, quitte à ne pas marquer de points, garder le ballon au moins 24 secondes en attaque. Voilà, assurer, faire tourner le chrono. Tout à fait. Voilà. Ne pas aller prendre des chutes cacahuètes, à moins d'être tout seul dessous. Mais faire tourner le ballon, moi c'est ce que je demanderais, faire tourner le ballon au maximum. Bon, après, si faut être honnête, si hier l'emporte, je pense qu'il le mérite. Non, sur l'ensemble du tournoi, il serait invaincu en l'emportant. Donc, après Toulouse a perdu ce matin contre Gennevilliers, donc ouais. La logique serait respectée que celui qui a remporté tous ses matchs jusqu'à présent
remporte le tournoi avec aucune défaite. Oui, et puis ils ont quand même dégagé beaucoup de puissance, les Hiérois, malgré qu'ils aient une équipe entre guillemets casse-croûte, comme je dis moi, parce qu'avec la blessure de Manu Gomez, ils sont très très handicapés. C'est un très grand joueur d'avenir, Manu Gomez, oui. et du présent même d'ailleurs, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il doit nous regarder là peut-être, on le salue Manu, mais il faut qu'il revienne bien soigné de sa blessure, et puis bien sûr hier on va compter sur lui l'année prochaine. Voilà, c'est un joueur, on ne pose pas de questions. Lui. Voilà, Jérôme Courneil a réussi ses deux lancers. Il va y avoir un pressing tout terrain, je pense. Je pense, oui. Pressing mis en place. Ouh, le retour était pas loin. Ah, ballon mal donné, perdu par hier, récupéré par Toulouse avec Bilel et faute. Il ne faut surtout pas faire de faute sur Nabil. Nabil Guédoune. Il y aura deux lancers au fond, au bout. C'est ça. Puisque les deux équipes sont dans la faute collective, hein, ça envoie directement au lancer. Ouais, 51 secondes à jouer, 64 pour Toulouse, 76 pour hier. On devrait se retrouver avec 10 points d'écart après les deux lancers de Nabil Guédoune. Ah là, le premier, qui a été un peu juste quand même. Ça a été juste. Et dans ces cas-là, souvent le deuxième, il est ficelle. Et voilà. C'est dedans. Ça, c'est un manque de concentration de la part des Hiérois. C'est ça. Allez, monte le ballon. Il faut qu'il monte le ballon. Pourquoi il s'embête, hein, voilà, passes, bien. À risquer de perdre le ballon. Allez, et voilà. Jérôme Durand qui calme. On calme, on renverse sur Nicolas Joancer. Ouh, embouteillage là. Il y aura deux lancers francs à tirer. Faute de Bilel Ayash. Ah non. Oh non. Mais ça, c'est les meilleurs. Faute. Ah mais c'est ah, et je crois que c'est le numéro 11. Guillaume, non, c'est Guillaume Adias. Adias qui prend la faute. Alors celle-là, elle est comique. Hein. Alors que. J'aurais jamais imaginé là. Bilel Ayash était prêt à lever le bras. Ça donne une munition supplémentaire à Toulouse. Heureusement pour les Hiérois, pour eux qu'ils ont des points d'avance, parce que oui. Ça peut faire retourner un match, ça. Allez, David. Ah, dommage. Et le ballon qui ressort. Allez, Nicolas Joancer. Il faut le garder là. Il faut qu'il là, le garde. Il faut qu'il fasse courir le chrono. Bien sûr. Allez, il garde le ballon sur son aile. On cherche l'aile opposée, Jérôme Durand. On tente le shoot raté. Et là, c'est fini. Allez. Et Nabil en contre-attaque. Qui va marquer. Et qui va marquer, à mon avis, ouais. Le dernier panier de cette rencontre. 76-68 pour hier. Alors messieurs, dames, moi je vais vous laisser parce que je suis attendu sur le terrain pour faire des photos. Donc merci, Benoît, de m'avoir invité à cette rencontre qui a été un peu tendue. On n'a pas vu de grandes envolées, non. Mais bon, on a vu du basket sérieux. Et puis peut-être à la prochaine. Ben, à la prochaine, et ça sera avec grand plaisir, et je te remercie encore. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Donc voilà.